ne pas être enregistré, c'est de ne pas avoir de vie juridique. Pour accéder à ses droits, aller voter, s'inscrire à l'école, tout ce qui est inscrit dans le code civil, dans la Constitution de manière générale, et puis dans les autres lois qui sont à votre bénéfice, ne vous est pas accessible si vous n'êtes pas enregistré. C'est le Parlement cambodgien qui nous a demandé de les appuyer sur l'organisation de ce séminaire. Alors, on a l'enregistrement des naissances est un des axes importants de l'APF. Nous avons organisé de nombreux séminaires sur ce sujet, notamment en Afrique francophone. Et c'est la première fois qu'on organise un tel séminaire dans notre grande région Asie-Pacifique, parce qu'au Cambodge également, il y a un déficit d'inscription sur les listes à l'état civil. Il y a un progrès important qui a été enregistré, puisqu'au cours des années 2010, on est passé en gros d'un tiers des enfants inscrits aux deux tiers des enfants inscrits, ce qui est déjà un progrès important, mais il y a encore des lacunes dans le système cambodgien. C'est très important pour moi parce que nous travaillons ensemble, en collaboration avec l'APF. Je crois que le thème du séminaire, c'est très important pour nous. Donc, nous avons la possibilité de réagir. Le Cambodge a fait d'énormes progrès depuis, comme vous le savez, depuis la fin de la guerre. Dire le rôle important des parlementaires, que ce soit les députés ou les sénateurs, leur rôle est très important dans la mesure où ils doivent enseigner ces gens-là et faire des séminaires pour que les chefs de communes soient sensibilisés à ce problème. Dans le monde, environ un enfant sur quatre n'est pas inscrit à l'état civil, ce qui entraîne des conséquences tout au long de la vie, à la fois pour le suivi social, pour le devenir aussi du futur citoyen, parce qu'un enfant qui n'est pas inscrit à l'état civil, il ne pourra pas bénéficier d'aide sociale. Ça sera difficile pour lui, évidemment, d'être inscrit sur les listes électorales. À la fois, c'est des problèmes pour sa citoyenneté, et puis aussi en tant que citoyen pour la vie sociale. L'APF a également édicté une loi cadre sur ce sujet en 2019, qui en plus du guide élaboré conjointement avec l'OIF, constitue un petit peu notre base doctrinale pour aider nos parlements membres à avancer sur ce sujet. L'objectif de ce séminaire est de sensibiliser un maximum de parlementaires à la question, de façon à ce qu'ensuite ils soient amenés à mieux légiférer sur le sujet. Tous les parlementaires présents seront ensuite des acteurs législatifs pour améliorer les conditions, le dossier de l'état civil. Je suis venu ici sur invitation de l'Assemblée parlementaire de la francophonie pour présenter l'expérience de l'Afrique, de cette partie de l'Afrique en termes d'enregistrement de naissance, la gestion de l'état civil. J'ai été invité pour présenter l'expérience de l'Afrique en matière de gestion des faits d'état civil. L'objectif, c'est de les apporter les rudiments nécessaires, c'est afin qu'ils puissent améliorer non seulement leur cadre juridique, mais aussi s'inspirer de l'expérience des pays en avance, notamment certains pays de l'Afrique en matière d'état civil.